Quand la Bible dit marcher par l'esprit, c'est-à-dire prier. Jésus pouvait dire aussi à ses disciples, il dit veillez prier afin que vous ne tombez pas en tentation. Il dit l'esprit est disposé, la chair est faible. La chair vous fait faire ce qu'elle veut si vous ne priez pas. L'opposé des désirs, des passions de la chair, c'est la prière. Mais la prière sans cesse. C'est pourquoi il a dit veillez et priez. Quand on dit veiller et prier, ce n'est pas forcément passer des nuits sans dormir. Veiller et prier, ça veut dire prier tout le temps. Ça veut dire veiller sur la prière. Ça veut dire veiller à prier. Ça veut dire soyez tout le temps en prière. Paul le dit littéralement en disant prier sans cesse. Comment est-ce qu'on n'est pas passionné des choses? C'est en étant passionné de Christ. Passionné par quoi? Par le moyen de la prière. Tu es toujours en prière. En Luc 21, je crois verset 36, Jésus dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps. Cultiver la prière sans cesse. Quand tu dors, prie. Dans ton sommeil, prie. Quand les cauchemars arrivent, prie. Tu te réveilles le matin, prie. Avant de prendre ton petit déjeuner, prie. Au milieu du petit déjeuner, prie. À la fin du petit déjeuner, prie. Avec tes enfants, prie. Lève-toi, prie. Dans ta voiture, prie. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Quand tu as envie de prier, prie. Prie, prie. Alléluia. Prie. En tout temps. On dit, veillez, priez en tout temps. Saison de pluie, tu pries. Saison sèche, tu pries. Il prie seulement. Prie. La prière crée une atmosphère. Quand vous êtes sur un territoire, vous priez. Il n'y a plus de malédiction qui tient. La malédiction est suspendue. Parce que la prière est une zone que Dieu sécurise. Votre vie doit être une vie de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et qui est la maison de Dieu? C'est ton corps. Qui est la maison de Dieu? C'est l'église. Ça doit être une atmosphère de prière. Vous savez, mes amis, les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer. Ils n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous à marcher. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils n'ont jamais dit à Jésus, apprends-nous la résurrection. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils n'ont jamais dit à Jésus, apprends-nous à guérir les malades. La seule fois, ils ont demandé à Jésus de leur donner un coup. Apprends-nous à prier. Nous, on ne sait pas prier. Apprends-nous à prier. Parce qu'ils avaient compris une chose, que le secret de la vie surnaturelle de Jésus, ce n'était pas de faire des prodiges. C'était la prière. C'est dans la prière que le ciel se révélait sur la terre. Qu'on sortait de tout ce qui peut être malédiction. Prie en tout temps. Il y a des fois la chair n'a pas envie de prier. Quand elle n'a pas envie de prier, c'est là même qu'il faut prier. Elle veut dormir, puis tu pries. Même dans le sommeil, tu pries. Tu te réveilles, tu es en forme, tu pries. Tu as sommeil, tu pries. Prie, prie. Ne justifie rien. Les disciples disent, on a sommeil. Jésus dit, je m'en fous. Priez. On dit, mais nous, on a sommeil. Laisse-nous dormir 30 minutes. On ne dort pas. Priez. Il dit, mais comment on va faire? Il dit, la chair est faible, l'esprit est disposé. Donc, priez. Priez en langue. Priez en esprit. Prie. Dis à ton voisin, prie. Tous les hommes spirituels, tous les gens de victoire prient. Et c'est la prière qui prend le temps, qui amène tous ceux qui sont dans votre entourage à être sous bénédiction. C'est comme ça que vous faites transiter la bénédiction qui est en eux. Quand vous priez, les gens qui travaillent avec vous, votre mari, si tu pries, la malédiction ne peut pas le toucher. Quelles que soient les réclamations de ses parents, toi, ta maison est devenue une maison de prière. Lui, il a un problème dans sa vie. Ton chauffeur, tu pries dans les voitures que tu achètes. Tu pries dans ton magasin. C'est la chair qui va te dire, il ne faut pas prier, que les gens vont te prendre pour un fou. Quelle affaire de fou. Prie, sois fou même. Prie. Ta nouvelle boutique, tu ouvres, tu dis, les gars, on commence par la prière. Rinda baba. Apprends à tes collègues à prier. Tu vas préserver leur vie. Tu vas préserver leur famille. Ne sois pas un genre qui dit non. Les gens vont penser que tu es un intello, que tu es un intello, tu as fait de grandes études. Comment tu crois en des choses comme ça? Les gens qui te parlent sont les diaboliques. Eux, ils vont faire des incantations avant d'arriver dans ton lieu de travail. Et puis toi, tu es prié, ils veulent te donner un complexe de. Il faut te jouer un homme comme eux. Tu n'es pas comme eux. Toi, tu appartiens à Dieu. Eux, ils appartiennent au diable. Ils vont faire les incantations, ils arrivent au travail. Quand tu les vois comme ça, ils sont calmes. Tu crois qu'ils méditent? Ils appellent le diable dans la boîte. Appelle le Seigneur. Tout ce qui t'appartient. Et même si tu es un employé, ce n'est pas ton entreprise. Le Saint-Esprit est supérieur à tous les démons. Tu arrives. Tu vas paralyser la malédiction qui est sur la société. Tu vas paralyser. Tu vas changer la tendance des choses. Créer l'atmosphère de prière. La prière est une communication avec Dieu. La prière est le câble qui vous connecte au ciel. Alléluia. C'est un câble. Il faut savoir adresser la prière. Écoutez mon message sur cette étape pour une vie de prière de victoire. J'explique tout. La prière permet aux anges de monter, de descendre. La prière fait descendre le ciel sur la terre. La prière suspend toute malédiction dans un environnement donné. Amen. Si tu pries que tu vois la malédiction frappe encore, augmente ta prière, augmente seulement. À un moment donné, elle va renverser la situation. Si une maladie persiste dans ton corps, prie, 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 jusqu'elle va partir. Prie. Pierre avait une réclamation. Jésus dit, j'ai prié pour toi. La réclamation ne va plus avoir son effet. Donc il a régné, il est revenu à Jésus. Satan n'a pas gagné. La prière a sorti l'apôtre Pierre d'une réclamation satanique. La prière va sauver vos collègues. La prière va sauver votre conjoint. La prière. C'est pourquoi le pire ennemi de la chair dans ta vie, c'est ta vie de prière. La chair n'aime pas la prière. Quand tu vas prier, elle va te combattre. Mais il faut prier. Il faut remplacer toutes tes passions par des heures de prière. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec toi.